Alors, je suis Justine Simon, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Je travaille au sein du CREM, dans le pôle Pixel plus particulièrement. Le travail que j'ai pu présenter ce matin fait référence à un certain nombre de travaux qui ont été menés à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui et cherche à mettre en avant la place de l'image dans les tweets que l'on a appelés multimodaux, afin d'analyser le positionnement argumentatif des tweetos dans l'usage de ces images du point de vue de l'hétérogénéité. Ce qui nous importe, c'est l'hétérogénéité des images, du point de vue de leur nature, mais également l'hétérogénéité de leurs usages. Et une attention particulière est portée au mécanisme de détournement. Donc, je travaille plus particulièrement sur les narrations visuelles interactives, dans le sens où l'ensemble de la sphère des tweetos vont se réapproprier et détourner des images afin de parler d'un sujet d'actualité ou de le critiquer, de prendre position par rapport à l'actualité. Les deux premiers corpus, les reformulations qui sont liées à l'illustration de Ségolène Royal dans le Parisien Magazine et celui qui a été fait suite aux attentats de 2015, ont le même dénominateur commun, puisqu'il s'agit d'étudier les reformulations de la célèbre peinture de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Donc, cela faisait l'objet déjà d'une étude préalable où je me suis intéressée justement au symbolisme de cette toile, comment à l'heure d'aujourd'hui les tweetos se réapproprient ce symbolisme, comment le symbolisme peut changer d'une situation à l'autre, comme on l'a vu avec la réaction aux attentats ou sur la réaction au 13 novembre. Il s'agissait plus de faire un hommage à Paris, donc la toile devient symbole de Paris, alors que pour la réaction aux attentats de Charlie, on était plus sur la mise en avant de la liberté d'expression, pas simplement de revendiquer une liberté. Après, sur le troisième corpus qui correspond à toutes les réactions qu'il y a pu avoir suite aux tweets postés par Marine Le Pen avec la publication d'images d'exécution de Daesh, ça a été plus une entrée, on va dire, plus personnelle, c'est-à-dire due à une réaction sur l'actualité et au vu de l'énorme buzz que cela a pu générer du point de vue du positionnement argumentatif. Et c'est surtout là-dessus que cela m'a intéressé, puisqu'il y avait les pro-FN qui s'exprimaient à travers une surenchère argumentative et la publication d'images, et les anti-Le Pen qui, eux aussi, se positionnaient face à cette publication pour critiquer les valeurs du Front National. Elle apporte énormément, et il est même difficile de saisir tout ce que cela apporte. L'image, elle peut être juste là pour illustrer, donc pour donner envie aussi, tout simplement. Je pense que au jour d'aujourd'hui, publier juste du texte, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien d'avoir une illustration pour donner envie de partager l'information. Et l'image, elle peut être utilisée d'un point de vue ludique, c'est-à-dire si on veut détourner pour faire de l'humour, etc. Je pense que passer par l'image, ça devient quelque chose d'indispensable. Et puis l'image, elle peut aussi permettre d'argumenter. Je pense que d'une manière générale, l'important pour moi, c'est d'adopter un recul critique. C'est vraiment de se dire que ce qui est réalisé, ça entre dans un contexte particulier et ça a une visée particulière. C'est de ne pas prendre à chaud telle ou telle réaction, telle ou telle publication, c'est d'adopter véritablement un regard critique. Et après, plus précisément, pour l'adoption d'un regard plus en lien avec la recherche, et là c'est notre travail, mais c'est aussi le travail des futurs étudiants, c'est d'essayer d'appréhender toutes les nouveautés, les nouveaux usages qui sont liés aux évolutions technologiques et le support, le dispositif socio-technique évolue sans cesse, les usages évoluent parallèlement, et donc on a un travail incroyable à mener dans ce sens-là.